Une cabale en préparation, Katumbi. Les régimes cherchent à l'anéantir avec des fausses accusations, écrit CNews, le même journal, écrit en bas de sa une. Écho des opposants aux USA, Diongo retour à Kinshasa avec une lettre du Congrès américain à Kengo et à Minaku. Tout à fait autre chose avec Forum des As qui titre grogne au PTN TIC. Ces malaises, un dicton, seraient consécutifs au doublement des tarifs des télécommunications en RD Congo. On change de chapitre avec le Phare qui titre Tshisekedi rentrée politique à Bruxelles. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Une cabale en préparation, Katumbi. Le régime cherche à l'anéantir avec des fausses accusations. Le dernier en date étant Fofo Kondi, directeur provincial de l'OCC Katanga, arrêté par les services de sécurité sans aucun motif. Il a été depuis relâché sans qu'il ne sache de quoi lui reproche-t-on exactement. Il attend regagner son poste pour noyer son chien. On l'accuse de rage, dit un adage. Les insinuations ça et là confortent la thèse selon laquelle Katumbi est dans les collimateurs du régime, en tout cas, et tous les moyens seront utilisés pour le couler. C'est dans cette optique qu'une fuite était apparue dans la presse en décembre sur l'exil de Katumbi qu'il avait pris le soin d'emporter avec lui la bagatelle de 20 milliards de dollars américains, une façon de préparer l'opinion à des fausses accusations de fraude fiscale notamment. L'opinion nationale et internationale ne se laissera pas prendre par cette cabale. Pas plus que ne s'est pas laissé duper par les poursuites judiciaires de Vital Kamerhe et les arrestations du bâtonnier Jean-Claude Muyambo et de Vano Okiboko notamment. Les mêmes journaux écrits en milieu de sa une, écho des opposants aux USA, Diongo retour à Kinshasa avec une lettre du Congrès américain à Kengo et Minaku. Franck Diongo n'est pas allé faire du tourisme aux USA, renseigne le journal, comme le prétendaient certaines mauvaises langues. L'opposant a ramené avec lui des fermes assurances de l'administration Obama d'encourager en RDC le transfert du pouvoir de manière de pacifique et démocratique en 2016. Diongo est porteur d'une lettre signée par les sénateurs américains adressée à Léon Kengo et à Oba Minaku. Les députés nationaux de Kinshasa ont renversé la primeur au destinataire. Mais l'or et déjà, notre fleur nous dit qu'il ne peut s'agir que l'attachement du Congrès américain à l'enracinement de la démocratie en RD Congo qui passe inéluctablement par le respect de la Constitution et par les déroulements des élections apaisées et crédibles. Dès son côté, le phare affiche phare Tshisekedi rentrée politique à Bruxelles. On séjourne à Bruxelles depuis le mois d'août 2014 pour des raisons de santé. Etienne Tshisekedi n'était jusque-là visible que du prêt carré de sa famille biologique et des quelques cadres de son parti UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social trié sur les volets. Mais l'homme que l'on disait très malade et sur une chaise roulante a surpris l'opinion tant nationale qu'internationale à l'occasion des journées folles du 19 et 21 janvier 2015 en appelant sur les antennes des RFI le peuple congolais à faire échec à tout tripatouillage de la Constitution et de la loi électorale. Au journal de renchérir, un mois après, il a décidé de réserver une seconde surprise aux Congolais de la diaspora en général et aux sympathisants de son parti le samedi 21 février à l'hôtel Plaza de Bruxelles. Invité spécial d'une grande réunion ayant regroupé cadres et militants des Belgiques mais aussi de plusieurs pays d'Europe, Étienne Tshisekedi est descendu sur les deux pieds de la voiture qu'il a conduit sur les lieux à avant de se diriger sans béquille ni l'aide de quiconque vers la salle où l'attendait une grande foule. Accueilli sous une salve d'applaudissements, il s'est allé s'asseoir aux côtés de son épouse Marthe Kassalou. Après avoir suivi des brefs messages de bienvenue lui adressés par les délégués des différentes fédérations de l'UDPS en Europe, l'opposant historique a finalement pris la parole.
Les premiers mots de son message ont porté sur l'unité du parti, socle autour duquel devraient se bâtir toutes les victoires politiques à venir. D'aucuns ont tout de suite pensé aux échéances annoncées dans le calendrier électoral global publié par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, le 12 janvier 2015. En second lieu, Étienne Tshisekedi est revenu sur son credo de la campagne électorale de 2011, à savoir le retour incontournable à l'état de droit pour le sphinx délimité. C'est le patrimoine commun pour lequel tous les citoyens de la RDC devraient se battre. Enfin, il a chuté en réitérant son appel au dialogue lancé à la MONUSCO. Et enfin, Forum des As, titre grogne au PTN TIC. Ce malaise, indique-t-on, serait consécutif au doublement du tarif des télécommunications en RD Congo. Que se passe-t-il actuellement dans les secteurs des télécommunications en RDC? S'interroge les tabloïdes d'y répondre, car en croire nos sources, il y aurait un malaise dans les rangs des opérateurs, bien plus une grogne, au point que bon nombre d'habitués de ces secteurs ne comprennent plus ce qui arrive alors qu'ils s'attendaient au mieux. Et à la base de cette atmosphère délétère, confie des sources un courrier adressé aux régulateurs portant sur les tarifs des télécommunications en RD Congo. Ce courrier de l'avis des opérateurs des télécommunications ne semble pas être le bienvenu parce que n'est-on pas de nature à faciliter les choses, ce qui, à première vue, ne contribuerait nullement à voler au secours des opérateurs concernés et des consommateurs devront faire les frais de cette nouvelle politique. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir écouté. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à Deschutes Mabetoukou qui a pris ces images et à Patrick Kentala qui les a montées. Quant à moi, je vous retrouve demain et vous remercie de votre visite sur www.congolocolenews.com des Gudil, l'Amazone.